Est-ce que tu connais un professeur agrégé qui est riche? Professeur agrégé. Hein? Oui, n'importe quel professeur agrégé, même le business, même avec le business, cite-moi le nom d'un professeur agrégé qui est riche. Qui d'autre? Qui connaît un professeur agrégé qui est riche? Vous voyez que nous, on connaît beaucoup de gens, mais à cette question-là, on est bloqué. Quand du professeur agrégé, ça veut dire qu'une personne qui a fréquenté, qu'il est arrivé à un niveau, on a dit que monsieur, pardon, s'il te plaît, c'est fini ici. Il dit que je veux continuer, on dit que non. Ça s'arrête ici. Maintenant, tu dois aller chercher d'autres personnes qui veulent atteindre ton niveau, tu les amènes ici. Ça finit ici. Lui, il part devenir enseignant. C'est la seule chose qu'il puisse faire. Qu'il atteigne le niveau là, la seule chose qu'il doit faire, c'est de venir enseigner d'autres personnes à venir. Hein? Un cercle vicieux. Celui qui l'a amené, qui devient aussi professeur agrégé, doit alors enseigner aussi d'autres personnes. Bon, il y a des professeurs agrégés en économie, non? Professeurs agrégés en économie. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent la finance de façon pointue. Mais comment quelqu'un peut maîtriser l'économie jusqu'à ce qu'il est consultant dans des pays sur les questions économiques? Et il n'a pas l'argent. Comment? Il fait ça comment? Hein? C'est. Ça veut dire que quand tu atteins ce niveau-là, tu dis, bon, moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Tu oublies tout ça. Tu mets ça d'abord de côté. Et tu commences à apprendre. Tu te comportes comme un enfant de la maternelle. Tu fais tes classes. Étape par étape, étape par étape, tu apprends l'entrepreneuriat, tu apprends la gestion des finances personnelles, tu apprends l'analyse des marchés, tu apprends ce qu'on n'a jamais appris à l'école. Parce que c'est l'école de la vie qui va t'enseigner l'autre là. Et qui sont les personnes qui vont t'enseigner ça? Ce sont les personnes qui ont atteint le niveau que tu souhaites atteindre.